Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du display de Super Castlevania 4 sur Super NES. Aujourd'hui, deuxième stage de ce display. Deuxième stage de ce jeu où on a déjà quand même pas mal de chauves-souris, de squelettes. Je vais avancer très doucement. Hein, apparemment nous sommes dans la salle au trésor du Dracula, du vampire. Et il y a des fantômes hein, dans le fond. Est-ce qu'on va affronter des morts dans ce stage-là? Je ne sais pas. Ok, attendez, parce que lui, il faut me toucher lui en fait, non? Il va pas me toucher ce con-là. Voilà. Pas prendre de risques, hein, vous savez quoi? J'ai des cœurs, je vais en profiter. Est-ce qu'on peut grimper là? D'accord, ça tombe. Ok. J'ai pas eu le choix. C'est cette merde là. Quoi, plus rien du tout sur ça. On peut pas le casser non plus. Ok. Alors, il y a des morceaux de sol qui tombent. Je sais pas pourquoi. Ça a l'air vachement chaud. Est-ce que ça tombe ça? Ça tombe ça? Ouais, ça tombe, j'ai intérêt à me dépêcher là. Merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, justement, mais j'ai pris. Ça se casse pas ça? Non, ça se casse pas. Bon, c'est pas grave, j'ai pris la hache. Voyons même là pour le coup. Alors, il y a un grappin en haut. Je vais peut-être pouvoir grimper. Ah merde, je peux plus là, non? Est-ce que je peux grimper là? Non, je peux pas grimper. Et de toute façon, ouais, c'est trop haut là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va se faire ça. On retrouve les ennemis hein, de. Le début là de début de jeu, hein, pas pour nous déplaire d'ailleurs. Hein. On se dépêche encore une fois, c'est en train de tomber. Ouf, c'était chaud. On va prendre ça, voilà. Là, j'ai pas du tout compris ce que j'ai fait, mais voilà le coup en bas là, ça a plutôt bien marché. Je suis plutôt content là. Allez, stage 9-2. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? On va se le faire, vous savez quoi lui? Prendre de risques, hein. Ça c'est quoi ça? Ah, il y a encore des coffres, ok. Ah, attendez, j'ai compris. Parce qu'en fait, cette merde, regardez. Quand ça sort. En fait, en fait c'est sur des courants d'air qui nous attirent. Donc du coup, si je me prends les courants d'air en même temps que je me prends en même temps que je me fais passer par l'ami, ça va pas le faire du tout. Putain, il m'a eu là. C'est vachement tendu, ça c'est cool, un peu de vie. Celui-là là. Alors, est-ce que l'on peut descendre là? D'accord, non, en fait non, pas du tout, je suis en train de m'enfoncer. Ouais, d'accord. Est-ce que je peux regrimper là? Attendez, je vais essayer un truc. Non, j'arrive pas du tout. Ah, si, si, on peut. Je me disais bien aussi. Par contre, là, bah, on va devoir aller au fond. Ça, c'est vachement cool le fait que l'on puisse doser. Doser l'accélération, là, du saut, c'est. Enfin, du grappin. Ça, c'est vachement sympa. Ok, j'ai encore perdu de la vie. C'est super.
qu'est-ce qu'on fait là? On y va, on s'en fout. Je sais pas pourquoi je continuais comme ça, c'est pas grave. Ok, d'accord, on a aspiré. Changer. Attendez, c'est un peu chiant là. Attendre que va celui de. Ah, mais. C'est chiant ça! C'est vachement chiant ces courants d'air là, ça nous attire et on peut plus rien faire après quand on se fait attirer. Là qu'est-ce que c'est encore une. Ah du poulet, ça c'est bien ça. Voilà, je peux gagner un peu de vie. Alors je méfie vachement là de ce genre de salle où il y a des escaliers. Parce que généralement, les escaliers en fait, il y a un truc à surtout pas oublier, c'est que quand on arrive là d'une hauteur et quand on saute, enfin quand on va atterrir sur un escalier, faut surtout pas oublier d'appuyer sur la touche flèche du haut parce que sinon là pour le coup vous allez vous faire mais vous allez vous faire matraquer quoi, parce que vous allez tomber, vous allez mourir obligatoirement d'ailleurs. Alors attends, est-ce que je peux le toucher de là? Je vais pas le toucher de là. Ce qui est chiant, c'est que putain, je suis obligé à chaque fois de sauter comme ça. Il est un peu chiant celui-là, dragon. Là, il est vraiment mal positionné là. En plus, j'ai perdu tout le pognon. Bon, à la limite, je m'en fous quoi, mais bon, c'est chiant quoi. Toujours sympa quoi d'avoir un peu de score quoi. Sachant que je trouve que c'est le score le plus haut que j'ai jamais eu là depuis le début de la partie. Parce que ça fait quand même quelques temps que je suis plus mort. Et j'ai réussi à chaque fois à regagner des crédits, donc ça c'est plutôt cool. Là où on va là, d'accord, il y a encore un grappin ici. Alors je suis vachement concentré parce que c'est pas facile. Je viens de vous le dire. Ok, là il y avait un ennemi avec. Je sais plus qui ils sont plus puissants ceux-là. J'en souviens plus. Bon, là tu vois, si j'en ai encore un peu de poulet. Donc là j'ai toute ma vie. Je vais quand même faire attention au temps là, parce que je suis à 210 et. Et ah, mais je crois que c'est. La fin du stage déjà. Ok, d'accord. Ah mais c'est un peu pourri ça. Attendez là, est-ce que je peux détruire les trucs là qui tombent? Ouais, je crois que je peux taper ça là. Vous savez ces attaques là. En fait, il faut faire attention là qu'ils tombent pas sur nous. Ok, il y a les trois petits ennemis maintenant. C'est génial. Je déteste ça, les ennemis volants, mais bon, là on n'a pas le choix. De toute façon, elle est bientôt mort. Ah, ça va être chaud. Il y en a encore un. Ça va. C'est bon, c'était pas très très compliqué celui-là. Donc, on va prendre la sphère. Et on va se quitter là sur ce stage, hein, parce que c'est la fin du stage numéro 9. Hein, donc, j'espère vraiment que vous aimez cette vidéo. C'était pas mais compliqué en fait le stage. Hein. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et c'est que là je vous la prochaine pour la suite du let's play de Super Castlevania 4.